T'es parti à gauche, à gauche, hein. Téléphone à gauche. Je sais pas si c'est au premier étage, mais c'est en haut à gauche. T'es sûr que c'est à gauche? Oui, 100%. Au-dessus. Je pense que c'est au-dessus des escaliers. Attends, j'y vais direct. Je pense que c'est une banshee. Y'a un problème, Gisèle, j'ai l'impression que tu vas attaquer. Gisèle? Ouais. J'ai l'impression que tu t'es fait... Téléphone décroché ici. J'ai pas de température à... Moi non plus, aucune. T'es où? Tu m'entends ou pas? Je suis à portée de voix là. Oui, je t'entends. Check les pièces là, check. Ok. Salle de classe. Je planchonne à 13. Hein. Pareil. Les 13, c'est pas significatif. Il faut du 12. C'est un peu comme ce que tu me dis, c'est pas très significatif, tu vois. Ouais, voilà. Téléphone, c'est à côté de toi? Téléphone à côté de toi ou pas? Je sais pas trop. Comment ça, tu sais pas trop? Oui, j'ai entendu un téléphone, c'est à côté de moi, ça va, t'énerve pas. Moi, je m'énerve, moi, ou pas? Retire le toki de tes amygdales. Rien du tout, hein. Putain, t'es sûr que c'est l'étage? Tu nous as fait, mais... Téléphone à l'étage. Ouais, tu m'as dit. Oui, bah tu m'as tout à l'heure, tu m'as dit voilà, c'est la banshee. Là, tu me dis c'est à l'étage. Non mais est-ce que tu pourrais pas avoir ton propre jugement des fois et avoir ton propre avis? Et mon jugement, c'est de te faire confiance, tu vois? Non mais est-ce que tu peux pas essayer de... Finis ta phrase. J'en peux plus de toi, Bernard, j'en peux plus. Ça fait 40 ans que t'en peux plus et pourtant t'es encore avec moi. Au moins, on aura fait les pièces du haut. Ah là, ça sonne encore! Ouais, ça sonne encore. Je crois que c'est pas loin de moi. C'est peut-être en bas, en fait, du coup. Mais en tout cas, c'est en dessous de moi, enfin, c'est là où on est, quoi. Bon, je vais revérifier en bas pour l'instant que tu fais là-haut. Merci, Asters. Très bon, merci. Merci infiniment. Alors, je continue là-haut. Très bien. Je planchonne toujours, hein. 13 chiffres du démon. Trouvez, moins 8 en bas, en bas, Deux fois que je t'écoute, deux fois que je te fais confiance, deux fois que je me foire. Eh ben là, je te dis, là, tu me fais confiance ou pas quand je te dis que j'ai... Toujours pas. Tu me fais confiance ou pas? Toujours pas. Je vais vérifier moi-même, t'es où? En bas de l'escalier. Arrête de parler dans ton talkie, retire ton talkie de la bouche. Oui, là-dedans. Température glaciale validée. Une température. Je vais arriver à faire quand même. Température glaciale. Ok, on va chercher le reste du matos. J'ai le MF. On est près du camion en plus, on a de la chance. Ouais, super de la chance. Pour une fois que j'ai de la chance avec toi, mon petit Bernard. Ouais, c'est ça. Je suis à fond, attention par contre, il va falloir que tu fasses attention dans le virage. Bien négocié. C'est à l'étage, ça sonne. J'aime le téléphone. T'es le R4. Je connais cette scène. Je connais cette scène.
Bon, tu veux prendre quoi? Ok, j'ai pris le bouquin et les empreintes. Je te laisse prendre la spirit box et une caméra. Ouais. Oui, déjà, s'il te plaît, d'accord. Fatigue. Est-ce qu'on l'allume ou pas? Ouais. Tu t'inquiètes pour moi un peu ou pas? Toujours, toujours. Ça va? Ça va? T'as l'air pas bien. Ah, ça va. J'arrive. Hein. Ça marche. T'es déjà parti? T'es déjà en haut? Je suis en classe. T'es déjà retourné à l'étage? Y'a une empreinte, tu peux mettre l'empreinte dans le bouquin. Ok, très bien. Non, y'a pas de touche. Hein. À part avec moi. Spectre ou Banshee, j'espère pour nous que c'est une Banshee, que c'est un Spectre. Hein. C'est dans quelle pièce? C'est là? Ici. Ok. C'est toi qui as posé la caméra sur la table? Non, c'est le voisin. Ah. Oh, attaque. Oh. Alors, EMF niveau 5. On se fait attaquer, putain, on est pas bien là. On est dans la salle du fantôme, mec. Tais-toi. Je suis pas ton mec, meuf. J'ai pas dit que t'étais mon mec, j'ai dit mec. Cinq. Après, je te dirai un truc. Ouais, vas-y. Non, mais vas-y, ouais. Putain, on n'est pas mort. Oh la vache. Spoiler, elle est apparue devant toi pendant que t'étais en train de consulter ton bouquin. Elle t'a traversé. Il nous faut une spirit box ou... Ou EMF, Spirit Box ou EMF, les caméras on s'en fout. Spirit Box ou EMF. Quatre, trois. Il faudrait qu'on prenne une photo de l'empreinte digitale. On a pris un appareil photo. Wow. Ah, un appareil photo, on le voit bien là, un appareil photo ou t'as pas un appareil photo? J'ai pas un appareil photo. Viens, on va chercher l'appareil photo. Non mais en vrai, allons chercher l'appareil photo, on prend des pilules et on revient. Ouais, ça va. Je connais un très bon kebabier qui fait des pilules calmantes. Ah, un bon petit kebab là, c'est là. Merci. Merci. Ah ouais, les pilules, je pense que c'est bien là. Oh. Donc là, la caméra elle va rien donner, il faut qu'on aille. On a EMF ou Spirit Box. Est-ce que t'as de la place pour prendre... Attends. Pour prendre quoi? Est-ce que t'as de la place pour prendre le crucifix qu'il y a là? Le crucifix, tu peux prendre ou pas? Oui, je le prends. Ça va. Eh ben, il peut nous sauver les fesses, le crucifix. Oui, ben écoute. Hein? Bah oui, j'écoute. Écoute-moi. Comme disait World Apart. S'il te plaît, dis-moi que tu connais la chanson. C'est ton âge. Tu connais pas les World Apart?
Gisèle. Ouais. Je t'écoutais. Bernard. Bernard. Gisèle. Bernard. Les calmants, il y avait un petit truc dans les calmants, je comprends pas pourquoi. Il y avait quoi dans tes calmants? Il y avait quoi dans la pilule? Il y avait des... je sais pas. Je pose ici, hein. À l'entrée, hein. Je pose ici à l'entrée? Ouais, attends. Attends, ouais. Attends, la photo de l'empreinte, elle a pas marché. Ah, c'est bon. Donc là, il faut... Oh! T'es où? Il est où? Il est où? Oh. Je peux prendre la photo? Mais... Qu'est-ce qu'il nous a fait, là, ce fantôme-là? Je pense que le crucifix nous a sauvés. Ouais, je pense aussi. Enfin, il nous a sauvés. Je t'ai sauvé. C'est moi qui posais le crucifix. Ouais. Techniquement, si vraiment je veux aller dans l'aspect scientifique de cette approche de recherche de fantômes, je dirais que voilà quoi. C'est bon, t'as trouvé ? Nickel ! Ah, c'est dommage! C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais! Excellent! Je sors de la salle de classe! T'es où? J'ai honte de... T'es où? Quoi? Mais moi j'ai honte! Tu m'as laissé toute seule! Je t'ai pas laissé toute seule! Mais pourquoi j'aurais fait ça? Ok, UMF 5, on se casse! Ok! J'adore la salle de classe! Un peu peur. Bon, c'est bon, alors du coup, on a tout. On a la photo du fantôme, on sait qui c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est super. Franchement, là, c'est super. C'est une Banshee. Bah, c'est bien une sûr. Foutue Banshee. T'avais raison depuis le début, c'est ça ce que t'allais dire. Mais oui, mais je te l'ai dit. Ça fait deux games que je te dis que c'est une Regardez, Banshee, je m'écoute pas. La photo du coupable. La photo de la culpabilité. Regardez, la tête de quelqu'un qui ment. Hein? Regardez bien la tronche de quelqu'un qui vous balade. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça, la tête. Moi j'ai la tronche de quelqu'un qui me dit qu'il était dans une salle de classe et qu'il était dehors, hein. Hein bah, regarde, moi je prends... J'ai pris la photo du camion et le camion il est bien rangé et c'est grâce à qui? Bon, Bernard, il faut que t'ailles prendre la photo de l'eau sale. Pardon? Oui, il y a marqué Bernard, prenez une photo de l'eau sale dans un évier. Attends, je relis. C'est pas un P ça? Non, il y a marqué Bernard. Mais Bernard, c'est comme ça qu'un B. Attends, c'est pas. C'est un P ou c'est un B? J'ai pas mes lunettes, Gisèle. Ah bah, c'est ce que je te dis, il y a pas tes lunettes. Il y a marqué Bernard, prenez une photo de l'autre dans l'hôtel. Tu me fais jamais confiance! C'est terrible ça! Alors, j'adorerais aller prendre des photos, hein, mais. J'ai plus de place. Quel traître, mais quel traître. Mais voilà, en plus j'ai plus de place du coup. Regarde, mais regarde comment il était. Non mais... Bernard, tu me déçois beaucoup. Quoi? Et bah... Non, rien, là, je m'en fous. Y avait qu'une seule pellicule. Oh. Quoi? Un moment. Gars, là, on rentre à la maison, je vais te mettre une petite douillotte avec un petit canapé. Et bah tu sais quoi, bord, hein. Quand on rentrera, je te jure qu'on aura une conversation. Elle te fera pas plaisir. Oui.
Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ah, oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Allez, t'as de la chance que j'étais encore mes médicaments. Ah, on a pas. Ah, bon, on a un truc avec le capteur de mouvement. On a un truc photo du fantôme, c'est pour toi. EMF, c'est pour toi. On dirait que fantôme s'appelle Maria Jones et répond à tout le monde. Et sinon, tu savais que plus l'émission durait longtemps, mais qu'on avait toutes les preuves, et plus le ratio d'argent qu'on gagnait était plus important. Ouais, c'est un peu ce que me coûte l'assurance, le nombre d'années que je passe avec toi, Gisèle. Allez, on y va. Ça va? Ouais, c'est parti. La confiance, hein. C'est totalement faux. Hein. Je pars à droite. Ok. Ok. J'ai pas vu l'émission secondaire. Que disent des objectifs secondaires? Ah, il y a un côté. En vrai, oui, en vrai. Lenoa, il y a un côté Cluedo, un truc. Hein. Carrément, d'accord. J'ai cru voir un os. Il est hors de question que j'aille là-bas. Le MF, il a dit, je crois. Je sais pas. Je l'écoute plus. Et heureusement. Je suis à l'étage, je répète, je suis à l'étage. Est-ce que tu connais le phénomène que peut provoquer une poupée vaudou, Maya? Ou Bernard? Oui, je sais, et toi? Je t'entends pas. Oui, je sais, et toi? Oui, 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 oui. Et du coup, qu'est-ce que t'as compris au phénomène de la poupée vaudou? Oui, bah le phénomène, je sais que ça rapporte de l'argent. Ok, t'as rien compris quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a rien en bas. Hein. Y'a toi. Y'a toi et c'est déjà beaucoup. Oh, tu m'as dit quelque chose de gentil. Ah, changeons de sujet, tu sais. Ok, cette porte était... Magie noire! Eh, mais température glaciale ici! Ouais, bah ouais. C'est ici, c'est ici, c'est ici! Et c'est qui le plus malin? C'est qui le plus malin? La température glaciale. Parce que j'ai posé, j'ai trouvé une... J'ai pris une caméra avec moi. Sans trépied. J'ai pris une caméra avec moi sans trépied. Et je l'ai posé là-bas. Eh bah écoute, sans trépied ça marche aussi hein. Ouais, je sais. Je vais l'énerver un peu. Ah, bah go. Merci Xaron. Merci Xaron. Ok, parfait. Parfait, parfait. J'amène le MF. Je répète, j'amène le MF. Très bien, très bien, très bien. Roger. Non, moi c'est Bernard, c'est pas Roger. Roger c'est le voisin. Et t'as un truc à me dire, Gisèle, par rapport au voisin? Je sais pas si je suis voisin, mais j'aimerais bien avoir de la lumière. J'ai ton Toki qui galère un peu. Hein. Ah. Ah.
Le. Je me. Non, il n'y a plus de disjoncteur. Disjoncteur est à l'étage. La lumière avec ta lampe. T'as plus de lampe ? Faut que tu montes, Bernard. Faut que tu montes. Mais pourquoi t'as plus de lampe ? Non, mais elle est par terre, mais elle est éteinte, donc je la vois pas. Je sais pas où elle est. La mienne aussi. Ouais. J'ai le bouquin dans les mains, alors là. T'as fait tomber la lampe. Vraiment, c'est vraiment ça le. Ok, c'est bon. 5! Oh, 5, 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 yes, excellent. Fantôme ou Banshee? Ah, Banshee, excellent. Je connais cette théorie. Moi je suis en train de voir s'il y a des orbes. Je sais pas si, même pas s'il y a des orbes avec, avec ça. Hein. Bah regarde sur les Banshee fantômes. Banshee. Empreinte. Empreinte ou orbe. Empreinte ou orbe. Donc on va voir si je vais voir s'il y a les orbes. 5 direct. C'est cadeau direct. C'est un beau cadeau. C'est le cadeau. Ah, orbe. J'ai vu une orbe. J'ai vu une orbe. Un orbe. Un orbe. J'ai vu un orbe. À droite, comme. Excellent. Parce que comme tout à l'heure, on parlait de Mélenchon. Ok. J'arrive. Alors du coup, il te reste plus que tu prennes la photo du fantôme et on est bien. Je te ressens mal. Tu m'entends mieux là? Ah oui, apparemment, ouais, ça marche. Ouais. Alors, il faut que tu prennes une photo du fantôme. Attends, il y a marqué Bernard. Ouais. Prenez Bernard. Une photo du fantôme. Mais c'est un P, hein, je te jure, je crois que ça s'écrit. Mais t'as pas tes lunettes, Tu dis c'est Bernard, prenez une photo du fantôme. Mais Gisèle, t'es sûr, hein? C'est pas un P, hein? Tu me prends pas encore Mais fais-moi confiance. Non, tu me mentirais fais-moi pas. Confiance. Jamais. Comment en 5 ans de ma. Mais jamais tout le temps. Ah. Le chat est témoin. Il est marqué Bernard, prenez une photo du fantôme. Bernard. Je te crois, hein. Eh. Il est témoin. Mais oui, mais bien sûr. Je. Mais tu devrais déjà être en route au lieu de douter de moi comme ça. Je doute pas de toi, j'écris dans mon carnet. D'accord, tu me rassures. Parce que je commençais à le prendre mal quand même. Oh non, Gisèle. Gigi, voyons. Attends, je vais voir s'il y a des. Attends, je vais voir s'il y a des. Ah ouais. Ouais, je vais faire ça. C'est des bonbons, hein, c'est des bonbons. T'es inquiète pour moi, hein? Ah mais je suis inquiète tout le temps pour toi. Ah. C'était un rire? Non. Ah. J'ai pas vérifié si j'ai rempli la pellicule de l'appareil photo, Gisèle. T'inquiète pas, j'ai un autre appareil. Si jamais t'y arrives pas, je te donnerai pour qu'il retourne. C'est-à-dire? J'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète pas Bernard, j'ai tout le matériel. Merci, tiens. C'est du Kodak que t'as pris? Oui, c'est du Kodak, c'est une dernière technologie, tu peux y aller, ça marche, ça, pas de problème. Ah. C'est toi qui as essayé de fermer la porte, Gisèle? Dans mon cœur. T'as essayé de fermer la porte de ton cœur à moi? Non, mon cœur a fermé la porte.
Gisèle, tu peux me dire s'il te plaît où se trouve la... le disjoncteur? Le disjoncteur? Oui, d'accord, il est où le disjoncteur? Disjoncteur! Disjoncteur? Attends, je vais regarder s'il y a un disjoncteur. Tu prends le disjoncteur? Il est où? Bah, je cherche où est le disjoncteur! Eh bah, dis-moi où est le disjoncteur! Attends, je vais regarder, attends, je vais te dire ça, toi, bouge pas! Mais je bouge pas, je t'attends! Que tu me dises, pas que tu viennes! Regarde l'écran! Je vais regarder! L'écran! Regarde-le! Je regarde l'écran! Bah, regarde! Eh ben, c'est devant toi, dans la pièce tout à gauche. Là, tu vas tout droit. T'as une porte devant toi, tu vas tout droit. Attends, doucement. Hé, Gisèle, attends. Je suis allé tout droit, après. À gauche, et là devant toi, là, voilà, là. Très bien. Bah voilà, c'était pas compliqué à m'expliquer. T'as vu quand tu sais expliquer. Bon, elle vient cette photo, Bernard, je trouve que t'es long, hein. Oh, c'est pour toi que je l'ai fait, hein. Je m'applique, hein. Et c'est que t'es jamais contente. Sinon, ça va chier, hein. Oh, tu vas prendre un autre ton avec moi, hein. Ouais, tu diras pas la même chose, hein. On verra plus ça plus tard, Bernard, attention. Allez, carrément, non. Je vais faire comme si j'ai pas entendu. Si je l'énerve un peu. J'ai pas le MF avec moi. T'as pas amené le MF. Il faut que tu dises Maria Jones. Et ça va passer. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Maria Jones. C'est quoi ça? Maria Jones. C'est quoi? Faites-nous un signe. Mais qu'est-ce que ça veut dire Maria Jones? C'est parce que c'est. Il faut que tu l'appelles pour que tu lui prennes la photo. Mais je l'appelle elle. Maria Jones. Mais c'est dangereux. Tu l'appelles Maria Jones. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer qu'elle va venir faire une petite pause pour faire une petite photo. Ah. Ah, je crois que t'as pris une photo, Bernard. D'un lit. D'un lit. J'aimerais remercier quelqu'un qui m'a quelque peu surpris juste avant. Maria Jones, veux-tu faire une photo? C'est ça qu'il faut dire. Maria Jones, veux-tu faire une photo? Maria Jones, si tu n'es pas d'accord, dis non, hein. Maria Jones. L'activité est à 10. Je plaisante, elle était à 0. Tu es vraiment trop marrant, Gisèle. Je sais, j'ai pris des cours. Je pense qu'on va encore investir un peu dedans. Oh, c'est gentil. Je le pense vraiment, tu sais. Oh, c'est toi qui paye alors. J'en ai marre. Ah bah, avec la photo que je vais faire, ma Gigi. Ah bah là, on est bien. Maria Jones. Pourquoi est-ce qu'elle appelle un téléphone décroché? Maria Jones. Photo de tes morts.
Et c'est lui qui va se récolter le truc. Le fameux lit fantôme, bien sûr. J'ai perdu le Kodak. Eh hey, mais le fantôme il t'a bloqué dans la pièce là ? Hein ? Peut-être. Parce que je t'ai vu courir partout dans la pièce d'un coup et comme si tu sortais pas. Bah ouais, il était à l'entrée quoi. Et moi je voulais prendre en photo et j'étais là alors que j'avais pris la première photo qui était bonne. Ouais, il a rampé très vite. Tu sais quoi la prochaine fois qu'elle... C'était un rampant ? Oui, c'était un rampant. Ah, c'était une petite fille, ça c'est toujours compliqué, petite fille. Je ne remonterai pas ce que tu vas dire. Mais je te trouve détestable. Ouais, non mais t'as raison. Mais c'est vrai qu'en fait, je vais t'avouer un truc, Bernard. Je pense que tu vas divorcer. Tu m'en voudras pas trop. T'avais déjà pris une photo ? Si, va m'en vouloir. Mais non, mais en fait, j'ai vu que t'avais pris une photo et j'ai pas dit tout de suite. Tu le savais ? Mais oui, j'ai vu que t'avais pris la photo. Non, en fait, je savais. C'est le chat. Il a dit miaou, 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 miaou. Il a pris une photo. C'est le chat qui a dit miaou. Et puis j'ai dit, mais non, on veut une vraie photo. Où on voit vraiment le fantôme, parce que moi, je le voyais pas sur la photo. Le chat a dit miaou. Le chat a dit miaou, il a eu la photo. Et moi, j'ai dit, mais non, il faut qu'il prenne le chat. Le chat, bien sûr. Si tu m'en veux pas trop, mon Bernard, quand même. Je peux pas t'en vouloir. Je suis mort. Non, je suis pas une balance, hein. Justement, j'ai dit, le chat, il a fait miaou miaou, et il a donné l'info. Il a pas dit ce que le chat a dit, hein. En même temps, c'est pas faux, le chat a dit miaou miaou. Et moi, du coup, je dis non. Là, tu le savais, tu m'as Judas, après en toutes fait, ces années sur DBD, tu m'as Judas sur Phasmophobia. Tu m'as Judas. J'ai pas Judas. Tu savais qu'il y avait pas de palette dans ce loop et tu m'as Judas. Non, j'aurais pas été jusque là. J'aurais pas été jusque là. Jamais, mon Bernard, j'aurais été jusque là. Jamais, 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 jamais. Tu m'as assuré. Attends, je vais relire là depuis l'au-delà. Mais c'est jamais écrit Bernard, prenez une photo. Mais si, il y a marqué Bernard, non, une photo. Mais j'ai mes yeux qui sont nickel parce que je suis mort. Non, t'as pas tes lunettes. Mais il y a pas des lunettes de l'au-delà. Si, il y a des lunettes de l'au-delà. Bon, si c'est comme ça, c'est moi qui prendrai les photos, c'est tout. Bah, c'est toi qui conduis. Bon, j'ai pas de main. Bon, c'était un fantôme. Allez, go. À moi qui ai pris la photo, hein.